Et les services
de filtrar. Explica-nos, é? Não, não. Não, minha pera, escreveu-se não. Se é que é depois de chinhão. Está mal de corrente, se vê? Eu, dono de 110, só e cá. Não, diz histórias, são até móveis. O país não está bom. Gião, tão desdente, as abelhas. Se for meu burguês, há lá os razão. Não, je veux dire, depuis toujours, là, même jeune. Est-ce qu'elle est plus grande? Comme les adultes, hein? C'est énorme. Non, non, toutes les soeurs. De quoi vous parlez? C'est comme le curé, il parle avec l'écho de petit au monde. Moi-même, j'ai été surpris quand j'ai accès à la fête pour la première fois. Ils sont arrivés les cinq, un beau dimanche, malgré leur vacances fermées sur le bas. Quand la première soeur s'est assise dans ma chaise, la soeur supérieure m'a parlé. Mais où? Il va falloir passer les sons de la café. Parfait. Des funérailles de sa belle Solange, que pour une fois dans l'histoire, des funérailles puissent avoir les allures de Miss.
qui un peigne qui sépare les cheveux de sa langue au milieu. Et prend une crine assez noire pour le deuil et entreprit de l'enrevenir autour de la pointe. 10 tours, 11 tours, 12 tours, ça tenait. Il passa ensuite de l'autre côté, servant un second élastique et entreprit de l'enrouler autour de l'autre pointe. 10 tours, 11 tours, la tension était plus forte dans cet élastique-ci que dans le premier. Il fit, il avança le deuxième tour et ping, un autre cheveu venait juste de... Oh! Tu peux l'expliquer, tu peux te parler.
gardé deux pour la livraison, puis il l'a mis dans sa poche. Il lui a donné chacun un, puis il en a gardé deux. Ça fait qu'on a chacun payé 9 piastres. 10.1, ça fait 9. Le payé 9, le payé 9, le payé 9. Ça fait 27. Tu rajoutes le 2 que tu veux dans sa poche, le 29. Ah, oh, regarde, je l'ai l'enfant. La pièce qui mord, ça prend des anges. Ce soir, ma petite fille, mon enfant dans la rue. Il pleut sur la maison, ma petite fille, mon amour. Le jour où les abeilles disparaîtront de la surface du globe, l'espèce humaine n'en aura plus que pour 4 années à vie. Parce que les abeilles sont responsables de 90% de la pollinisation dans le monde. Ça fait que si les abeilles disparaissent, ben, c'est la fin du monde. Mais c'est parce qu'on en avait 5 des abeilles. Puis tu les as laissées sur un banc. Restées sur un banc, hein, parce que t'étais fâché qu'elles ont piqué ce linge. Pas grave. Nous autres, on a des histoires du parrain et de la jardin. Aussi longtemps que les parures vont faire leur chemin, aussi longtemps que le pollen de la midi va faire son chemin, on va régner dans une jolie voyage sociale. Plus les histoires circulent, plus le monde existe. Selon la logique de Méo, il fallait juste ne pas arrêter de parler. Et selon Méo, le jour où on arrêterait de se parler, l'humanité n'en aura plus que pour 4 années à vie. Ce serait la fin du monde. Les gens de Saint-Denis se croyaient au-dessus du dos. Ils disaient que ça ne pouvait pas nous y parler. Mais un jour, ce qui devait arriver, ça faisait 4 ans, moins un jour, que plus personne ne s'était parlé à Saint-Denis. On était la veille de la fin du monde. De retour dans la messe, lors de laquelle le curé a prononcé son grand sermon sur l'Apocalypse. Méo, le tourneur du village, est chez lui, mort de peur. Il est 9h du soir et la fin du monde est à venir. Mais lui, Méo, la dernière personne à qui il avait parlé, c'était Madame Jésus. Là, Méo, j'ai eu 473 enfants. J'en peux plus d'être enceinte, je suis en train de devenir folle. Venez, reculez-moi. Je vais y aller voir cette terre de cierge. Je vais y aller, je vais charger une pièce pour le voyage, le souper sur la chandelle et tout et tout. Allez-y, Méo, s'il vous plaît. Rendu au club du 4 de la matinée, il y avait à peu près 2000 cierges qui brûlaient. Lequel cierge qui est bon? Méo en a soufflé une quarantaine. Certaines personnes se sont remises à boiter, mais Méo croyait avoir accompli sa mission. De l'autre Méo, ne pas souffler dans le bon cierge. Je suis enceinte! Donne-moi ma pièce, je vais envoyer quelqu'un d'autre. Votre place? J'ai vu votre place. J'ai fait ma job. J'étais à la grande de cierge, j'ai soufflé en masse. Méo! T'as pas fait ta job, t'as pas d'honneur. Je t'en parlais d'honneur, moi. Mais t'as parlé le jour où tu m'as remboursé ma pièce. 4 ans, moins un jour, sans se parler pour une pièce. Elle, Madame Gemina, la dernière personne à qui elle avait parlé, c'était tout simplement. La chicane a éclaté un jour à cause que Madame Gemina n'avait toujours pas remboursé la pièce de farine qu'elle devait à 5. Quand tu paieras la pièce que tu dois, on se reparlera. 4 ans, moins un jour, sans se parler pour une pièce de farine. Lui et Salvador, le dernier à qui il avait parlé, c'était le curé. Une longue histoire de chien, de Bernard, le chien Bernard, que tu sais, avait vendu. Le curé voulait qu'il lui devait une pièce pour ça. On en parlera quand tu m'as pas payé. 4 ans, moins un jour, sans se parler. Le curé, lui, la dernière personne à qui il avait parlé, c'était Riopel le forgeron. Ben, venir la serre de bord pendant 6 mois, c'est bien moins d'ouvrage que changer 4 paires. Ça va être une pièce. Je vais pas te payer directement que ta job. 9h15. Méo décide de 4 ans moins un jour sans se parler pour une pièce. 9h15. Méo décide de passer à l'action. J'ouvre ma bouteille de Bordeaux. Méo se gardait une vieille bouteille de grand Bordeaux pour une grande occasion. Depuis le temps, la bouteille était recouverte de poussière. Méo la frotte au bord de l'étiquette, la débouche et pop! Quelqu'un apparaît dans sa chaise de coiffeur. Solange? Attendez-moi, j'arrive tout de suite. Madame Gélida! Méo, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais te coucher les petits. Il y a quelqu'un à la maison. Vous êtes bien du monde, hein?
moi, on va aller, on va aller voir le curé. Jeannette, viens-t'en, on s'en va plus tard. Sauf
cette recommandation de M. Curé. Je vous vois à la voix sur les bords. Justice divine, mon mignon. On va dire ça en deux. Une pour moi. Une pour toi. Une pour moi. Une pour moi. Une pour toi. Une pour moi. Une pour moi. Une pour toi. Une pour moi. Mais oh, la bière que t'arroses juste à moi, j'ai droit à un tiers. Justice divine, on se ressemble. Cinq. Là, je manque enfin pour faire une livraison de bière. Et à moi, j'ai droit à un corps. Plus ça allait, plus il y avait de monde pour venir réclamer leur corps. Plus de monde près de toi ou même. Ça marche pas, là. Ça prend quelqu'un de neuf pour partager les corps. On va aller chercher l'Astroupe. L'Astroupe était une étrangère qui avait apparu de nulle part une bonne fois. Elle était de provenance inconnue. Elle était là, elle était pas là. Comme si t'étais née dans un plaisir. Qu'à un moment donné, il faisait chaud et pop, elle a popé. Elle, l'Astroupe, c'est une femme très riche qui avait acheté un domaine près du lac Ouzance. L'Astroupe était neutre, ne connaissait personne personnellement et n'allait jamais à l'église. On disait aussi qu'elle avait des dons d'ensorcellement. Madame l'Astroupe, on voudrait un partage selon la justice divine. Parfait. Qu'est-ce que tu fais de ta semaine quand t'arrêtes? Le lendemain, c'était
mardi, mais où en fait son gazon? On lui boit la bière. Et puis tout à coup, les pieds des petits
Je t'en donne une tout de suite. Tu viendras chercher d'autres quand tu veux avoir le temps de vendre, je vais la laisser sur ton bord. OK? Fait que, il se présente que j'ai une pas le genre à son idée, il repartit chez lui, les deux pieds dans la même voiture. La femme de Joseph qui avait vu la scène a été très attristée du manque de générosité de son mari. Voyons donc, Toussaint Brodeur, laissez partir un enfant pieds nus dans le neige. T'aurais pu y faire du crédit? Écoute bien, ma femme. Quand la caisse populaire vendra des bottes, j'en fais. En attendant que ça monte, ben tu sauras, Toussaint Brodeur, que ça prend tout un village pour faire grandir mon enfant. Et pour la première fois, un roi s'est installé en rue Saint-Jalais. Ce sont-là, lui, se couchait en pierre et se sont couchés en couteau. En couteau de tir. Le lendemain matin, Toussaint regarde par la fenêtre. Oh non! Oh non, 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 non! Il manque si bus dans ma corde de bois! C'est les Gilles-Neuf qui m'ont volé, c'est certain! À ce moment, je vais surveiller la corde de bois et je vais les prendre dans mes dans le sac. À 4 heures, Toussaint s'endort et le lendemain matin, mes bûches. Oh non! Oh non, là, il manque encore 6 bûches en bâton de bois! Ça a duré comme ça pendant une semaine. Là, ça a assez duré. Ça me prend des coupables. Je vais aller voir ça. Elle, la soupe, elle faisait du prémonitionnage, mais elle faisait aussi de la culpabilité. Rebate, no trespassing. Kiwi n'a pas trépassé. Ben, là. Tu vas mourir ici? Toussaint s'avance vers la porte pour cogner, mais la porte s'ouvre avant. Je t'attendais, Toussaint. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Toussaint? Ça me prend des coups! V'là 6 bûches de bois noir, mets ça dans tes cordes, puis tu vas y trouver une femme. Donc, Toussaint part chez lui avec ses 6 bûches qu'il croyait ensorcelées. Mais les bûches de la troupe Saint-Alex, elles étaient percées et remplies de balles de fusil. La troupe possédait des fusils qui tiraient particulièrement bien. On dit même que si on lance un paquet de cartes en l'air, elle sait tirer la table de pique à tout. Tout ça pour dire que ce soir-là, Toussaint a mis ses 6 bûches dans sa cour de bois et le lendemain matin, pow! Explosion chez les Gilles-Neuf. Oh, 473 enfants sortent de la maison en petit jabot qui est lui. Oh, je savais que c'était eux autres! Les Gélinos n'étaient pas capables des voleurs des malhonnêtes. Faut-tu pas vous mettre? On est ça ou pas? Tu sauras, Toussaint Brodeur, que la seule coupable dans l'histoire, c'est moi. Parce que quand je t'ai vu laisser partir mon enfant pieds nus dans la neige, j'ai commencé à aller porter 6 bûches chez les Gélinos à chaque jour. Tu sauras, Toussaint Brodeur, que si t'es pas de mes bols et de ton bois, on aurait peut-être l'âme de 473 enfants morts gelés sur la conscience. Tu sauras, Toussaint Brodeur, que ça prend tout un village pour faire grandir mon enfant. Thank you.
la Toussaint chez Toussaint. Bienvenue à Toussaint. Cette année, on va jouer à Dame de Pique. Oh, wow! Tout le monde était déjà arrivé. Le village tombait de peur. Tout à coup, ça fait mal à la peau. Bonsoir, madame. La mort est tellement rare.
façon, cette chair n'est pas ici. Mais voyons donc, il y a des gars pour madame. Tout le monde ici. La seule qu'on n'a pas invitée, c'est l'astroute. L'astroute a du pouvoir, elle est intelligente. On va l'inviter à voir des yeux tout le monde. C'est pas tout ça, elle tire aussi d'un paquet de cartes. Ça a l'air que si tu lances un paquet de cartes dans les airs, qu'elle tire, bang! Tu retrouves la dame de pique percée à tous les coups. Enfin, je pense que j'allais faire tirer les cartes. Et ça, c'est
parce qu'à chaque date qu'on inscrit sur les cartes du cimetière, c'est une légende qui est morte. La mort